Arrête. C'était pas ça. Oust. Arrête. Enlève ton chien. Chérie. Minus. Mais casse pas le hublot de la machine à laver. Alors là, on a un parc à vélo provisoire. Mais ça sert pas trop pour les vélos en fait. Bon alors voilà, j'ai fait la pause avec le chien pour faire un nouveau post Instagram. Hein chérie? Ouais. Mais ton chien il a essayé de me lécher, enfin il m'a léché l'oreille, c'était dégueulasse. Ouais, il fait tout le temps ça quand t'es allongé par terre. Ouais mais c'est chiant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller... visiter le palais du gouverneur. On va pas prendre l'apéro? Non, chez le gouverneur c'est les Ferrero Rocher. Ah non, mais moi je voulais prendre l'apéro. Tu m'as dit on sort. Je croyais que c'était pour l'apéro. Ben, on ira après. Ah, on voit pas mon grand sourire que je fais. Ah. C'est là-bas. Et c'est un truc qui est fermé au public d'habitude. Et ben, en fait, ça sert à rien, chérie. Pourquoi? Ben, on n'a pas le droit d'y aller d'habitude. Ben là, on a le droit d'y aller. Oui, mais il sert à quoi? Si, des fois, il y a des trucs quand même organisés dedans, mais des trucs privés. Il y a des trucs privés, d'accord? Donc ça sert à rien, quoi. Oh. Mais t'arrêtes de râler. J'ai oublié de vous dire un truc. Tu connais les wombats? Tu sais, les wombats, les espèces de gros rats. Eh ben, j'ai appris un truc aujourd'hui, hein, chérie? Oui. Eh ben, les wombats, ça fait des cacas carrés. Oui, tu chercheras sur Internet. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont des anus carrés? On t'entend mal avec ton masque. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des anus carrés? Qui ça? Les wombats. Les wombats, c'était pas un groupe de musique? Non. Non? Voilà le moment culture de la journée, le palais du gouverneur. Et puis là, c'est les échafaudages du gouverneur. Voilà. Quand je disais que ça servait à rien, en fait, t'as des... Voilà, ça sert à rien. Et en plus, tu vois, t'as des ficelles, là, pour pas qu'on y aille. Ça sert à rien. Alors là, quand tu vois la taille du tableau, tu penses au gars qui a dû l'accrocher, quoi. Voilà. Et puis en plus, il faut faire gaffe parce que ça glisse. Et donc, chez le gouverneur, eh ben, les tapis, ils les mettent au mur, pas au sol, tu vois. Parce que c'est le gouverneur, quand même. Là, c'est le sol, là, c'est le mur. Il y a des vieux au mur. Voilà. Et tu vois, le seul endroit où tu peux t'asseoir, ben, t'as pas le droit de t'asseoir. Des vieux. Et voilà, vu du dessus, qu'est-ce qu'on voit? Ma meuf qui prend des photos. C'est beau quand même, la vue. Et là, regarde, c'est la cathédrale. Oui, si tu suis ma meuf, t'es au courant. Puis là, ben, c'est du drapeau. La touriste. C'est pas tous les jours qu'on peut rentrer dedans. Si tu veux charger ton téléphone. Ouais, il y a une prise dans le sol. Rentrer dans quoi? Hein? Rentrer dans quoi? Non, si tu veux charger ton téléphone. Mais tu m'as parlé de rentrer dedans. Non. Pas de vouloir faire des trucs touristiques, hein. On sort, on regarde des trucs un peu chiants. C'était un peu chiant, hein, chérie, non? Non. Non, c'était pas chiant. Et on sort et... il pleut. Et puis, qui c'est qui n'a pas de parapluie? C'est moi. Alors, c'est quoi? C'est mouillé. Alors, c'est comment? C'est super. Ouais. On a bien fait de vouloir prendre un apéro. Prends ton poncho. Et là, au pied de la cheminée, il y a un trésor. Je te rassure, il y a qu'il me fait sécher ses chaussettes dans le local des fous. C'est vrai que c'est ça. Bah, tu chantes plus? Non. Rechante. Bah oui, mais là, je connais pas les paroles par cœur. Ah, faut attendre le refrain.
Il arrive. Non, là c'est quand c'est... il fait les mmh. Mais il fait mmh. Oui, mais c'est la fin de la chanson là. Faire des paroles. Non, c'est la. Le mmh. Mais non, c'est la fin. Non. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Bon, ben la journée fut très bonne et ben on va laisser le mot de la fin à ma chérie. Même si là, ben on est encore un peu trempé de tout à l'heure, mais bon. Chérie. Oui. Elle était comment ta journée? Bien, j'ai bien aimé. Bien comment? Très bien. Très bien. T'as fait quoi aujourd'hui? Oh, j'ai fait du ménage, mais... Dis pas ça, il y a la féministe qui va encore m'engueuler. Alors, donc moi j'ai fait du ménage et pendant que je faisais le ménage, t'as fait quoi? Pendant que je faisais le ménage, t'étais sur l'ordinateur. Je m'occupais de ton chien. Mais quand j'ai passé l'aspirateur dans le salon, tu as poussé ta chaise de bureau pour que je puisse passer l'aspirateur sous le bureau. Tu vois, comme quoi, je suis pas un mufle en fait. Et là, je suis en train de faire, comme c'est bientôt la rentrée, et j'ai envie de faire du gros tri et du gros rangement pour bien réattaquer cette nouvelle année scolaire. Je peux faire le tri dans tes habits? Non. Il y a une de tes culottes que j'aime pas trop. Laquelle? Je sais plus, je l'aime pas, donc je me rappelle pas. Voilà, tu m'aimes? Ah oui. Oh, t'as ton petit regard amoureux. Et puis les gens, en fait, c'est marrant parce que à chaque fois que t'as ton petit regard amoureux, et ben les gens se rendent compte que t'as ton petit regard amoureux. Et là, t'as les yeux qui pétillent. Non, tu fais un zoom.